Encore une fois, nous avons monté ce qu'on a dit là-dessus, à nous qu'on n'y a pas. Bien sûr, le novembre, nous allons créer notre ensemble flâner pour un an. Puis, quand nous avons monté, nous avons dit, nous voulons tenir la canabale, nous voulons nous conserver malicieux, mais j'ai affaire à créer une nouvelle bagarre en Marala. Ni ambora yenno, malika délégation de bien réussir là, ni voulons tenir. Nous voulons bien bien donc on a, au bien faire, nous voulons nous assurer, nous avons nous délégué la connaissance. Kuna fani fola lakana bali yabi malicha maji yafanya ni wakati na kuna enda ukloka afamali army wajibara kafarapu doke ni ufarapu nikira bajangara marala lugu mbeno kuduru army ire kumunikeke kaira kafu kusika fuite alawi farapu keni yoro kufali nuna ain kuna fani sora kuna gulami dugu doi atakita raka nishi uluma bajangara marala ni udugu ni urubuje alay kukuru alini doye ni dugu nbela jilemi pei dogona ukofe si umara fanvela mekata bajangara marala. Mie sae kumeni, uyu population bora kaira kafoku wa dugu segena. Ko umagobe lakana na. Mie sana fene, sana dugu dumbora na foko kono kulu. Kakule, kule kama kumeuda odi sana lakana ku. Uyaira kafoku wa dugu nunu segena. Kaira mali ozuruto ula ku umagobe demena ukunote. Ku usegena ku kumwa ukuma mbamaka chube na ukama ni marfoye kabin uka. Ngogo dugu chama ni bina munu wila kabo usiki yora ula. Miye saa yire enda okulu kwa ngafo pa mwagachu ya yira kafo kumine dodo yeno minentebo. Ayin sere alu soro ka yira kafo kusayi dugu do ngukongo bi ula sabula. Utisiye kabo kata doko choke ukerefe dugu shide na. Kunafuni flana beji ni uibrika demesigasyon judiciaire ulu tikeda fonctionner mwaduruka ni fonctionner mwadugun ulu ira walijugula kata kanyeshi jamanama maliku verma ya ira kafuku mali fonctionneru kachanku udaro nete sabula mwado urete balolintuguni alisa ubiga sarauta do urefine kilikili madilika fonctionneru ya barake nga ubiga sarauta maliku verma ya lanyinu kuhu anurumake fonctionneru da akakeni karti biometriki mwom ntara kubla ubaraina umwono ayira la kafu kulu kila sabu wuye ka kuna fon dodo o kuna fon nunu done kofe werebe u bulu nota machine na kayira ka foko o mon ni fonctionnaire wi o koroba ira ka fo ni ka kuna fon ntara mo mi fonctionnaire ya sab se ka valide fo o tigi de bulu no kada ala kayira ka foko a tigi beno ni fonctionnaire mo blala ni barana ira ka fo wi bulu no dota ni o bulu no ni u yera wi ni fonctionnaire ndo we baraka ministre de la justice la ado we refne be baraka ministre we rola moko kame ani moko moko ayira la ka fo uyu ulika kuna fonu ndo ka uwe re bulu no bla o moko nola ni wale mi fleni dame alawa moko shite o doni alate sege sege ndu kon bi sina mi orte moko yo uyu reporta ci kren kren ke akoka onyi ni aha jangu jangu la jenyo fe la brigade d'investigation judiciaire toujours à l'œuvre. Elle vient de procéder à l'arrestation de 5 personnes. Selon les informations recueillies, les suspects auraient détourné le processus de validation en substituant leurs empreintes digitales à celles des véritables fonctionnaires. Donc le 5 novembre 2024, aux environs de 17h, la BIJE a procédé à l'interpellation de 5 individus suspectés d'avoir frauduleusement validé des procédures d'identification en violation flagrante de la procédure soumise à cet effet. Suite aux instructions de nos chefs et après un compte-rendu au procureur du pôle national économique et financier, une enquête a été ouverte. Il convient de rappeler que le 2 octobre 2024, les données issues du contrôle du système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques, de l'État et des collectivités
ont été analysées en vue d'une corrélation avec les données des agents émargeant au budget de l'État. Cette pratique frauduleuse visait à valider des procédures sans le consentement des personnes concernées, compromettant ainsi l'intégrité du système de gestion des ressources humaines de l'État. Le commandant Diakité a expliqué les modalités de cette opération, insistant sur le fait que de tels actes ne sauraient rester impunis. Deux méthodes étaient utilisées par les agents chargés du contrôle pour l'identification physique des fonctionnaires, à savoir le contrôle avec la NINA, la carte NINA, et le contrôle sans la carte NINA. À cet effet, des procédures rigoureuses de validation des données étaient définies pour chacune des méthodes utilisées. Cela pour préserver la fiabilité du système en vue de lutter contre les fraudes. Au terme de notre enquête, il a été établi que quatre relèvent de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation, un relevant de la direction des ressources humaines du ministère de la Justice, ont frauduleusement validé 122 procédures d'identification de fonctionnaires en violation de la procédure édictée à cet effet. Les intéressés seront présentés au procureur du pôle économique et financier pour compétence. Cette interpellation reflète l'engagement des autorités judiciaires maliennes à renforcer la transparence et la crédibilité de l'administration publique. Kunafuni sabana ameta Urusi ni ashen fala Urusi ukelembe ka kenebelebele dosi ni ukenembe wele ko forum ministeriel Afrique Urusi ni kenenka Urusi ka ministeru aleni Afrique ministeru ulebe nyoko yeken kenekwa ni hakina fale falenke miye malika delegation ni mokoya bi Abdoulaye Diop bulo ay kunafuni sobaka forum miye mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop aleni Urusi ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ulebe nyoko yeken bi so madena nyoko yeken tali ke fe munoka ode lakana sabati li Sahel konnana mali reka soro wokmo yitali ke uka gelaa jumu bi akor la fere jumu mesela ke ya samalo mesela la fiaso chukuyamna rusuba ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ayira ka fukuwa mo yitali ke uka Sergei Lavrov ani ministre wala chama ne nyoko yi ken ken ko na Rusi mi Algérie ministre des affaires étrangères ni aliye Ahmed Atafi ay ko na fon so ka fuku ani o nyoko yi ke kun ni wakati na mali ni Algérie che o gela le mbade do ko sebe ngabe ba do ngafo Algérie ko lo gela fe mbi ala aya bo de sou de euro ina fo bamono bo fo to gamna bolo mi yeshido mola bolo kleni be abo mola ola mali jigi bi akan fo Algérie na kan ma do so ro ka bo de sou euro ngwa o tike bo mali rebelo bolo ya sa ben se kana mali ko na to gamna. Promouvoir un monde multipolaire avec des partenaires africains, voilà tout l'enjeu de cette première conférence ministérielle Russie-Afrique qui s'ouvre ce samedi à Sochi dans le sud de la Russie. Plus de 1500 participants, dont une cinquantaine de ministres, sont enregistrés. Le Mali est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui participera aux 19 tables rondes et événements thématiques pendant les deux jours. Des thématiques qui portent entre autres sur la lutte contre le terrorisme, la coopération dans le domaine de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture ou encore la formation d'un système international de sécurité de l'information. En somme, Moscou et ses partenaires africains veulent afficher à travers ce forum leur volonté partagée d'aller loin dans le renforcement du partenariat stratégique. Il faut rappeler que cette conférence ministérielle est une des recommandations du sommet Russie-Afrique tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, sommet qui avait vu la participation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Kunafuni nana kleta ani droit kelen ko ko ke kreda la ta jamna ko di Mamad Idriss Déby nu wa wuli ko idi ali segina kana jamina ni uy chat fabay ak me yoram nani uy Niger ali ni Nigeria frontière lac du Tchadi région konnana ta jamna ko di ay apa nguruta ni nga segina kana nga ta jamna ko di yani aga se a diminido atri jamna ko koro aya ira ka fo ko uluye keleke ko ali faraki la kela mawuli farafne jamna fushito konna ni chat ma militaire bo kata de medo o jamana numa ago ale kela ke malila chat je militaire je gulu bo ka bla kata Niger chali re militaire je gulu fene bo ale bo bla kata Nigeria fene nga ako bi ko bogo ram kela be ka chat atake ni jamana nunu nu re kela me ka force do bla singa nu o force ni resikeli me chat ko mo man chat army wuli bla o ma ko mo be ula ko deme o be kuma do soro ka fo waira ka fo ko uma pere wira baira kuma do fenna kala ka fo ko mine fenete u bulu
Tchad jamana ko tege ya ira ka fo ko bi wakati sira Tchad kan se moni force winani o force international mixte o force international mixte iba yi ka formalité ala Niger bi ala Tchad refne bi ala nga Tchad jamana ko tege ya ira ka fo ko Tchad binana isi moni force wina aba lenni Tchad militaire ko concentré Tchad yere kelela sabula ko ni amanya Nibita mogo demme kato gila konana ngani erbe gila la ete mogo yi kuna fafu ete ula tada mana kutiki kani interview kuna aya rodo kala awa lame aye nikuma mfene fuwa au nini anga jamu fene lame nyokofe. Vous savez, notre pays, le Tchad, s'est engagé contre le terrorisme depuis 2013. Nous avons participé au Mali à l'opération Fatim, dont moi-même j'étais commandant de force adjoint. L'armée nationale tchadienne a participé au G5 Sahel. L'armée nationale tchadienne a participé aux forces multinationales. Nous avons toujours soutenu nos pays voisins. Que ce soit au niveau du G5 Sahel, nous avons toujours envoyé des contingents au Niger, à Terra, en 2021. Nous avons envoyé des contingents aussi au Mali, comme je disais tantôt. Nous avons fait des opérations au Niger, à Difa, qui était commandé par le défunt le général Daoud, ancien ministre de la Défense. Nous avons aussi fait plusieurs opérations au Nigeria, notamment l'opération Laxitiwan, Laxititou. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats. On déploie nos enfants pour aller les soutenir. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Est-ce que vous avez vu une fois parmi les pays avec lesquels nous avons former des forces mixtes en commun, venir soutenir le Tchad? À ma connaissance, non. Alors, pourquoi? Pourquoi nous devons toujours sacrifier nos enfants pour les autres et en retour, nous n'avons pas de soutien? De surcroît, nous envoyons nos enfants, ils meurent là-bas et l'ennemi que nous frappons dans les pays voisins revient au lac Tchad. Donc j'ai décidé, en mon âme et conscience, et en tant que président de la République, je suis d'abord responsable de la sécurité du Tchad et du peuple tchadien. Le peuple tchadien m'a élu pour cela. Donc, pour moi, il est temps que l'armée se concentre sur la protection de nos citoyens et de notre territoire. Puisqu'on n'a pas de soutien, avec nos maigres moyens, avec nos forces, nous allons protéger nos frontières, sécuriser nos citoyens. Et d'ailleurs, c'est ça la mission qui nous a été confiée par le peuple tchadien. Mais cela n'empêche pas le Tchad de respecter ses engagements de la lutte contre le terrorisme. Au contraire, nous allons continuer à lutter contre le terrorisme. Mais d'abord, nous allons penser à notre sécurité, la sécurité des peuples tchadiens. En conclusion, il n'y a pas de solidarité pour laquelle cette force multinationale a été créée. Donc, s'il n'y a pas de solidarité, elle n'a aucun intérêt pour notre pays. Kuna fani duruna mita shini. Shini kene mbeka kene bile bile do daile ni ubi wole gusalo international de l'aviation. Jien avion glana bau. Ulebe nyo gusalo ni kene mkonana. Mugo mugo ni avion kura glane bibulu. Ibi nani aye ni kene mkonana ningana ayira. Ukenye daile ni do shini wafe. Ni kene mkonana mi urisi uwi ulana ni uka avion kura glane do ni uwi suku isengan seti. Ni suku isengan seti. Iba ye kafo. Anyokonte ino urisu uka avion de chasu shichela. Ni avion nyokona mkwa anifla. Ode beye jien kono ni obi urisu ubulu. Ukele mbeye ka adogla ni nga atangeloji u nyokona kola. Nga mwoko flarebe du okona na obi endu ubulu. Mwoko kele mbeye do minkona na obi urisu uwele bulu ni wakatina. Urisu uka ni avion suku yi 57 ayishinu wadaba liba anko sebe. Uye kamera usiki ala yasa mwoko wisika jawsoro choko yamina. Iba yeka fo urisu uka ni suku yi 57. Akelen ko ka bulla bne duguma ani aga wuli sanfala lan o beke segon ko non tonde konana segon ko non to konana ni avion abi bulla mne ni nga wuli ka bo duguma lana misali ana sukoi 25 ni okumi mali bulu nga kasara yo osoron sabula mal armé de la opération dola ni sanfien wulo ko sa bo ni o avion ni crashi ke ni o sukoi 25 dusu ka ni sukoi 57 kura glane An yin nou nan yaye kafo ason an obe besewa ware milyar bisaba bonyon kodima. Mi ye sukoye 25 en, nou okume malipolo, oson an besewa ware milyar woro dima. Ni sukoye 57 en, akateli ou de eteli aden. Sabula mi ye sukoye 25 en, alebe kilometri ba kilene boli erkele konana. Nga yurusu wani sukoye 57 kura glane, alebe kilometri ba fla anike me woro di boli erkele konana. An yin aja osoro kabo shin, oni nan anja anja wala jenyo fe.
kunafoni kunche la demokratiko de mali problemi dokera okuma infoli la sansa ba transition bino sansa ba konve lakanako abe sabati wakati jume kuranko abe sabati wakati jume kombe ba anga jamana kono wakati jume mali umefeka ode mebi ni modi sidibe kumakani modi sidibe ni ale yelema tonde doi akume Sherif Latifi mwoko a plateau do sanfala la ni o plateau be wole ko sans langue du bois ni obe sigi kare wo kare ni kenen kan mi modi sidibe ale intention ko kor modo bo ko me dibala ga tien re mi modi sidibe ay kuma da to ula sabula ay kuma ko mo fo mo wash ma saka asoso ula modi sidibe ak mo rek rasaba bi plateau ni da animateur fo gana o lu gele an re bolo lokan ko na fondi la on be an ta solo ala modi sidibe ni kuma mo fo oni ni an ha jawu la me nyo ko fe ka bi ko na fon ko jeni oy ba la transition do ala ko mi mali ni Côte d'Ivoire balontan ko e to ko ni mala am ba la equipe blaf best en fait ko ni na ngone kan be pogo do Côte d'Ivoire la mana ñoko soro podium na mali kanema ya ci en famu kuma kan no ama ko jugu jamana en kono en toro de la koro ya fa ka kuma kono ko 30 ani ko e ko mi tie ko ci ga dla san flan chaba ba ko ko se de mana de lecturer ama de le ga gela ko fo nyama ba minun temena ede yana wana bigo san bisa ba kera ka joro san baba ay waka tu soro yani fanga ka bi auto nga fu yo ko gela o minun be aba u critique ka fu mo fu parce ay fanga o be souteni ala o flow de la transition no na le to diga ala o ya o taka bolo de o fem folo fem folo na mi ikoko analyse leadership ya fanglela manje master en anglais maintenant do kono leadership c'est la capacité d'un individu à convaincre les autres sur un plan ou une vision et avoir des stratégies à les drainer vers ça pour qu'ils se sentent à l'aise dans la démarche. C'est ça le leadership. Leadership il est fin de fermi à définition après dis-moi. Non, mais nous, on a fait un combo de fois Bamanan en fin de l'an. Mais là, je suis là, Bamanan en l'an. Oye, Made, Haklina, ni Yeta, Bemoromina. Ou Haklina, ni Yeta, Sirilendo, Ferre la Ferre, Mimba, Toana, Kerefe, Moro, Abu, la Mounou, Kula, Wuli, Katubako, Kata, ou Haklina, ni Yeta, Infanfe, Kasro, Luko, la Walea, Kasro, ou Kal, Nanini, Do, Kasro, Diago, Yate. Leadership, banan, followers suivent. Maintenant, maintenant, la Koroka, Kuma, Jabi. Transition a départ ouvert et fermé en Bolongos a ouvert l'un des données en talent de courant de Tigablé. Le ministre de Borate l'a fait départ ouvert et fermé en Ado, car le ministre de Kabé n'y en a voilà Kaba. Pour courant qu'on n'y en a voilà. En la guerre sans bisava minte mena au Mai. Le Malien yera minu meka en Nagé Sisa, ou bado sans bisava minte mena ni Sisa à courant qu'on peut tout comme. Ou bien il veut qu'on a la courant fana kotara. Parce qu'il veut qu'on a courant qu'on peut tout comme au tenu. Ou bien à faire un courant go bina. Il faut qu'on ait un fond de nyon, un nyon, un nyon, un digili, fura mobala, katako, ou qu'à joindre un fond de nyon, un jamana inkona. Amesanu gofo, kalala. Il résout le fait que kalana sanu boit depuis indépendance, temenani sandama doya. Avec un peu de partenaire, minoube kan choro sanu kola de. Kalana ve jambolo, il résout ya. Ala sabani anga tiya fo maliyan we fen flana un ko rega afa ka kuma la ko nye calcul do ke ko 10% 10% ne ko kuma mu fo ta so so ne nu dalu de na ne bora fo commission président mi be sanu go ko na sen de la ne de ni kuma ke mfla ka fese fese to go mi mu ko te soro mi mi je ga bota ate mu ko mi ba ko kuma commission min président ne do ne a de ni kuma be fo ka ban pe wa sura 10% numéraire modo 10% gratuit modo maintenant asera 30 matogo di ambora 30 la gase 35 matogo di anyo kuma de ke nyo la ala sura nyo de nyafo ya oba dona mbeyo parce que wulu de abarake ka la temeo maintenant nambora yi anko ko mali koroko ko mali de farafina otan ah koro Malika ke farafina otan yare kon manne parce que tuwabu ko kadawe kosobe otan tuwabu la koye ama miri de sisan farafina yare biseka wasa ni tomi ko fo malima sinon otan we union européenne ni france ni amérique na ramoy
Asimi diɲɛ bɛɛ b'a fɛ farafinna e ko ko farafinna farafinna ni farajɛla bɛɛ ka k'a fɛ alhamdulilayi ne ka jamana ɲɛmɔgɔ don mɛ olu kɛlen a fɛ o kɔfɛ kɔngɔ banna olu kɛlen a la o kɔfɛ kuran t'an bolo olu kɛlen a fɛ o kɔfɛ angɛrɛko ye gɛlɛya ye olu kɛlen a la a kɔfɛ gɛlɛya bɛ baɲangarakaw kan lakana an tɛ fɛ k'an da don a la koyi an bɛ fɛ k'a forote forote ka tɛmɛ de parce que ni i ko k'i bɛ kuma togo dɔ la bɔrɔbaw b'u bolo u n'o bɛ ka yaala u t'i sɔrɔ sigilen i b'i ka gɛrɛ na k'i cɛ ka taa o dɔrɔn de la an bɛ kuma ka hakɛ to lakanako yɔrɔ la sinon n'an ko k'an bɛ lakanako ka fɔ k'a ɲɛfɔ an tɛ ɲɔgɔn faamu plateau in kan plateau in bɛ dɔgɔya an ma n'an ko k'an bɛ lakana kuma ɲɛfɔ dɛ n'an bɔra yen n bɛna n da don fɛnni dɔ la o ye mun ye a hakɛ to n bɛ ka i ɲagami na non n ma ɲagami n fati ne ma deli ka ɲagami voilà ne tɛ ɲagami o ko ne de b'a bɛɛ sɛbɛn i ko ko constitution ko jamana gɛlɛya bɛ yen ko solution jumɛn bɛ yen kɔrɔ ko k'a n'a dɔgɔnin ko afirika bi ko constitution an tɛ constitution kuma la jamana gɛlɛya ani jamana gɛlɛyaw bɛ se ka lawuli cogo min et puis an ma don quatrième république kɔnɔ dɛ cogo di constitution promulguera mais constitution yɛrɛ ko ko pour que ale ka sigi sen kan ko fo élection ka kɛ ɲɛmɔgɔ minnu sigira élection na k'olu de b'ale sigi sen kan an tɛ quatrième république kɔnɔ dɛ dama don quatrième république k'an t'a kɔnɔ sa n bɛ ka min f'i ye n'an bɛ fɛ jamana in ka dilan n'an bɛ fɛ
jamana hɛrɛ kana a fɔlɔ fɔlɔ ye min ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bilahi mɛ n kali ka plateau kan ni ne bɔtɔla sisan sisan ni Asimi y'a fɔ mɔgɔ bila ka an wele k'a bɛ fɛ k'an ta k'an don sɔrasiya la ko sara t'an ye k'an ka taa kɛlɛ kɛ Mali bilahi Ala n tɛ se so ni sera so n bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ a kana nɔgɔya n ye n tɛ se so mɛ n bɛ taa n ka jamana défend en fait an minnu bɛ ka yaala plateau kan ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ an ye ko fasoden jugu tanta Mali bɛɛ mɔgɔ min y'a ka tɔn y'a ka papier don CNT la k'an tɛ sara fɛ o ye an ka tɔn de ye donc fasoden ɲumanya tɛ se ka fɔ mɛ bɔ kuma la yɔrɔ min mɔgɔ minnu bɛ video maniya la kule la fan bɛɛ fɛ ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye ka sankɔrɔtali kɛ sankɔrɔtali min tɛ tiɲɛ ye maliyɛnw bɛna bɔ a kalama tuma min a bɛ kɛ lagosi ye u ka video maniya dabila u ka arajo kumabaw dabila u ka munumunu dabila réseau kan u ka na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka recruter an ka taa an ka faso défend parce que kuma cɛɲi ni tiɲɛ tɛ kelen ye wa kuma cɛɲi fɔ n'a ma jɔ a galomayɔrɔ bɛ ye dɛ ok voilà c'était kunnafoni minnu sɔrɔ n'an fɛ bi kolon walawala ko dɔ kulo kan o de kɛra ninnu ye o de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛkɛnɛ minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Itali aw kan bɛ wagati wɛrɛ aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati aw ka gurupu whatsapp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔlen in wele ni o ye 91 20 41 44 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka gurupu whatsapp la aw b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin numéro in fɛ.